quart d'heure. Et il faisait 19 degrés dans le cœur. C'est nickel. Il fait super bon. Il fait super bon. J'ai fait 2 courses. Hop là. Bon, y a pas que ça à manger, hein. Il y a ça aussi. Eh oui. Je vais en prendre que la moitié. Ce sera déjà pas mal. J'ai pris un petit grillé. Ils sont super bons ceux-là, à Carrefour. Carrefour Maquette, je les ai eus. Et puis voilà. Et ce que j'aime bien, maintenant que j'ai réparé la LED, vous voyez, ça éclaire bien. Et quand j'ouvre le tiroir, ah, c'est classe. C'est pas beau ça? J'ai mes petites fiches recettes là. Ça fait des années que je les ai. J'ai vu ça quand on était en vacances, au sport d'hiver. La truffade. Et l'autre, c'est. On fait une carte postale, mais bon, je sais pas quoi l'envoyer. Moi, ce qui m'intéresse, c'était bien ici. Ce qui m'intéressait, c'était la recette. Le pâté de pommes de terre. Bah, celui qui fait Harry sur image, bah, il a la recette. L'aligo. Acheté sur place. Hein. À super baisse. Donc, c'est la recette originale. Ouais, bah, rien n'a changé. Alors, je vais vous faire un petit home tour vite fait. Hein, parce que c'est propre depuis la dernière fois que j'avais mis. Alors, la bibliothèque. Intégralement remplie de DVD. Là, bah, c'est complet aussi. Hein. J'en ai partout. Entièrement pleine. Je crois qu'il reste une place. Non. Oui. J'ai reculé au maximum. Là, je suis au niveau de la porte. Au niveau de la porte. J'ai pas de poignée, donc pour le moment je me mets là. La porte, il y aura un petit truc en tissu ici, et comme ça, ça se verra pas. Et il faut que j'agrandisse mon rail ici. Je vous rappelle que j'ai mis une toute petite baguette en alu qui s'arrête à ce niveau là à peu près. Hein. Hop, moi faut qu'elle aille jusqu'au bout, et comme ça, ça sera nickel. Là, pour ceux qui se demandent, pour les nouveaux arrivés, c'est le lave-linge qui sera ici. Hein, 8 kg, on fait. Puisque le 7 kg, 30 euros près, c'est la même chose. Bon, je vais prendre un 8 kg. Je peux mettre un 9 ou un 10 kg ici, hein, ça passe. Mais pour moi, j'en ai pas l'utilité. Je vous rappelle que là, la douche, je vais mettre de la lumière. Hop, hop. La hauteur de la douche, j'ai 2,17 m au centre de la douche. Donc là, ici, bah, j'ai un peu plus. Sur du bord ici à l'autre bout, quasiment 1,20 m. J'ai un peu de perte parce que bah, mon receveur, ma cloison est partie par-dessus. Et là aussi, donc sur 1,20 m, bah, il me reste environ 1,17 m, donc à faire 1,17 m de long intérieurement.
sur 78. 77,5 exactement. Un truc du genre. Un peu au-dessus. Bon, j'ai toujours pas fait les joints. Faut que j'enlève mes vieux joints là. Et ensuite que je remette des propres. Mais ça, ce sera peut-être fait demain. Parce que demain, je vais m'y mettre à la salle de bain. Je vais coller le restant sur le côté et dessous. Et après, je vais jointer tout correctement. Pour ceux qui ont regardé les anciennes vidéos, je vous rappelle qu'il y a déjà un joint et toute la peinture a été tanche. Bon, la chambre, elle n'a pas bougé. La porte fait 70, 73 d'ouverture. Entre ici et ici. Voilà, ici ça n'a pas bougé. Là, je vous rappelle que je viens de mettre une finition ici. Là, la continuité de la baguette noire a été faite. Autour de la télé, il y aura un petit rangement, on va dire, au départ, j'avais prévu de mettre des DVD, un meuble DVD, tout autour de la télé. Mais tout qu'on fait, je vais mettre mes figurines. Je vais mettre à l'autre bout. Je vous mets au niveau des oreillers. Hop, là, c'est là où j'ai ma tête. Ça, vous voyez. Sinon, si je mets au mur, et encore, j'ai l'épée sur le manin. Là, c'est là où il y a ma tête. Mais l'espace. Je me sens super bien. Je le répète encore et encore. Mais j'ai l'impression de vivre dans un appartement roulant. C'est aménagé comme un appartement. Le lit en 160 par 200, par 190 de long, 160 de large. Et là, il me reste, si j'enlève la couette, à peine 70 d'espace. Je vous rappelle qu'à l'arrière du bus, le bus part en rétrécissant des deux côtés comme ça. Et puis à l'arrière, ben, ça part dans tous les sens. Hein. Comme ça, comme ça. Mais je me retrouve avec un superbe espace quand même. Et je vous ai dit qu'il n'y avait que ceux qui connaissent, enfin, qui sont connectés là, comme ça. Vous voyez? Donc, ça éclaire bleu. Et ben, la nuit, je vois que ça, ceux-là, ils sont éclairés, mais vraiment très 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 léger. Alors bon, il y a deux grosses piles 2032 là. Et ça, ce que vous voyez hein, dès le départ, j'ai laissé, c'est le pli qui a pris le contreplaqué avec la peinture. Ça a dû gonfler un peu que à cet endroit là, mais ça va rester comme ça. Ce sera derrière les figurines. Et si jamais je vois que derrière la figurine ça se voit, parce que ça fait pas terrible, et ben je viendrai le poncer et le repeindre. Bon. Donc voici de la chambre quand je me lève. Bon, bien sûr, la porte là est ouverte, je peux la fermer. La direction la douche. Sinon, on a un bel espace ici. Vous voyez l'espace entre le toilette et le meuble. Là, je vous rappelle que je vais remettre autre chose.
Et là, je sais pas pourquoi. La couleur de la LED change à partir de là, alors qu'il n'y a rien. Il y aurait une coupure, un truc comme ça, mais non. À partir de là, ça éclaire pas la même. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, ça donne un style. Et ça dépend des couleurs aussi. Quand je mets rouge, ça éclaire tout pareil. Ouais. Quand je mets gris, enfin, ouais, vert. Hop. Pareil. Ça éclaire nickel. Oh, je sais pas pourquoi le bleu ça éclaire différemment. Oui, je vous laisse, moi je vais me détendre. Je vais me prendre un petit sirop à boire. Pareil, pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, là c'est un lave-vaisselle 10 couverts. Donc au lieu de faire 60 de large, j'ai acheté un spécial 45 cm. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Pourquoi j'ai aménagé le car comme ceci. Et comme ça, vous avez l'impression d'être dans un appartement et non dans un véhicule aménagé. C'est super agréable à vivre. Oui, je vous laisse. Bon, j'ai mis comment le chauffage en route. Il tourne à fond là. Écoutez bien, je suis au niveau de la cuisine. Je vais modifier la bouche qui sort de la salle de bain. C'est là qu'on entend le plus le bruit. Parce qu'au niveau de la chambre, sous le lit, et ici, on n'entend rien du tout. Je sens un léger souffle chaud. Je vais m'approcher. Oui, c'est ici qu'on entend beaucoup. Et là, je sens le sol qui est chaud. On entend juste la soufflerie, parce que là, il souffle à fond. Là, dans la salle de bain, je vous garantis qu'il fait chaud. Et dans la chambre, sous le lit, on sent l'air chaud qui est pulsé aussi. Mais on n'entend pas la pompe. Donc là, faut qu'il monte en température. Ah, il fait 17, hein. Franchement, je suis en t-shirt, moi, j'ai pas froid. Hein. Je vais descendre la température. Donc là, il fait 17 et j'ai demandé 16. Là. Au ralenti. Et là donc il va rester comme ceci. Il va maintenir la température. On entend juste ça. Et encore, c'est parce que c'est là que ça sort le plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que je modifie le croisillon qui se trouve là en dessous. Pour que ça pulse moins dans la salle de bain. Et plus fort au bout là-bas et dans le champ. Enfin, que ce soit mieux réparti. Et du coup,
Là, on maintient une température de 17 degrés en le laissant comme ça. Et on n'entend rien du tout. On entend très peu au niveau de là. Mais si je ferme la porte, bah, je vais pas pouvoir parce que j'ai mes baguettes par terre. Mais dès que je ferme la porte, on n'entend plus rien. Et là, à mes pieds, je sens que le sol il est chaud. Et je vais modifier la pompe aussi parce que je sais pas si vous l'entendez, mais on l'entend vraiment léger. Mais je vais faire en sorte que la pompe fasse le minimum de bruit. Et ici, bien entendu, bah, on n'entend plus rien. Je vais mettre pause. On entend un léger bruit comme si c'était le frigo. Donc voilà. Heureusement que ça reprend là où je me suis arrêté. Voilà. Allez. Je sais pas ce que je vais faire, je vais bricoler. Voici, je vais mettre. J'ai mis les tubes là pour qu'ils prennent la température. Qu'ils soient pas trop froids. Et ensuite, je vais pouvoir coller dessous là. Et ensuite, faire tous les joints. Propre. Que ce soit bien, bien blanc comme là. Tout cela, je vais les enlever. Et ensuite, je vais continuer ici. Là, il manque un joint. Là aussi. Là, ben, les joints, ils sont mal faits. Hein. Forcément, hein. Comme j'expliquais l'autre fois, c'est quand j'ai mis le joint. Et ensuite, je suis venu plaquer. Et ensuite, j'ai essuyé ça vite fait, grosso modo. Et je refais mes joints tout propre. Là, faut que je colle aussi. Là, vous croyez qu'il y a un décalage, mais non. Parce que là, ça a été peint en noir. Et ça vient en continuité, hein, c'est bien lisse. Parce que là, il n'y a pas de peinture. Donc, ça fait un effet visuel comme si c'était un décalage. Voilà. Là, dans le fond, c'est pareil. Je vais faire les joints propres. Tout comme il faut. Que ça fasse un beau joint qui ressort bien blanc. Comme ce que vous voyez ici, quoi. Ça fera bien plus sympa. Allez, go. C'est pareil, j'ai plus de gaz au niveau d'ici. Hop là, je vais mettre ça comme il faut. Donc la bouteille est vide et je me suis dit merde, j'ai pas envie de sortir pour faire du gaz et j'avais 15 degrés donc dans le bus ce matin et je me suis dit merde, j'ai pas envie de sortir. Puis je me suis dit mais au fait j'ai le chauffage là, j'y pensais même plus et en plus il est plein et j'ai du gasoil en plus donc c'est nickel. Bon, malgré un temps de merde. Et sur le portable, c'est plus clair. Hein. Là, ça s'est dégagé hein, un peu là. Depuis ce matin, il y a du brouillard. J'ai 18 degrés. Ça, c'est la température programmée. Les batteries sont à 13, il est midi 30, 13,7 d'intensité, c'est nickel.
Ça, c'est la température intérieure dans le bus. 16 degrés, c'est la température demandée quand j'avais mis en route. Et oui, ben, c'est... Quand j'ai coupé la vidéo tout à l'heure, au bout de 2 minutes, c'est passé à 18. À peine 2 minutes. Et on entend le convertisseur qui charge. Quand on l'entend tourner comme ça, c'est que il en met à bloc les batteries. Je suis très satisfait de mon installation. Parce que même avec un temps de merde, eh ben, ça charge. Ça charge, ça charge. Vous voyez, hein, pas terrible. Hein. Le soleil est caché derrière les nuages. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de quoi se bronzer. Hein. Avec le LED, ça a un décalage. C'est la fréquence. Ça paraît idiot, mais je viens de me rendre compte d'un truc. Je me disais aussi, à l'avenir, il faut que je mette... Je vais pas laisser 3 euros verts. Il faut que je mette des barres ici, là, pour pas que la nourriture se barre quand on roule. Mais, c'est quand j'ai mis la pizza, je me suis dit, putain, ça me fait chier, ça, on peut pas aller au bout. Il y a des barres, il suffit que j'inverse. J'ai juste à inverser la plaque. Le fond, là, je vais le mettre devant, et la barre se retrouve derrière. Et hop, et elles sont toutes comme ça. Il y a une barre là aussi, une barre là aussi, et bah là, non, il n'y en a pas. Donc, il y aurait juste celle du bas qu'il faudrait que je mette une barre. Que j'adapte une barre en plastique. Et c'est nickel. Sinon, c'est nickel. Bon, voici ce que j'ai fait. Alors, j'ai installé une prise ici. Comme ça, si on veut cuisiner, enfin, mélanger quelque chose, ou même brancher le petit ventilo, quoi que ce soit, moyen de prise dans ce coin-là. Et ça risque rien par rapport à l'évier, parce que je vous rappelle que l'évier vient au ras ici, donc niveau fuite il n'y a aucun danger, parce que déjà il faut remplir le bordel, et en plus il y a un trop plein ici. Deuxièmement, en cas d'éclaboussure, eh ben, on est vraiment protégé par rapport à ça, qui est en dessous de l'autre côté. Et je vous rappelle que c'est jointé ici. Hein. Donc voilà. Ça c'est nickel. J'ai collé, donc j'ai gratté, j'ai enlevé tous les joints qui étaient dégueulasses. Ça se voit pas trop, mais il y en a un paquet au sol. Ça, sur le côté aussi. Bref, donc j'ai enlevé tout ce qui était dégueulasse. Hop. J'ai laissé ce qui est propre. À la vidéo, vous croyez que c'est sale, mais c'est propre. Je le mets en face. Donc, ce que j'ai fait, donc là-haut c'est fixé, collé. Là, il me reste plus qu'à nettoyer le joint proprement. J'attends que ça sèche et la toute petite pellicule qui est pour jointer avec le vrai joint, je vais pouvoir l'enlever facilement et ça va donner un travail comme ceci. Donc là. Là-haut, il faut que je le fasse, là. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est bien en jonction partout, comme ceci. Là, c'est pas un joint, ça. Là, je vais pas m'embêter à nettoyer plus, parce que de toute manière, il faut que je vienne jointer tout le coin. Tout le coin sera jointé. Et ensuite, je vais faire ça le plus propre possible, bien évidemment. Et ensuite, il y aura une plaque qui va venir devant pour recevoir ma pomme de douche et mon mitigeur. Là, c'est pareil. C'est super bien jointé. En jonction,
là c'est ce que je vous disais, le joint est fait, mais il faut que je le nettoie. J'attends que ça sèche un peu et après il va falloir que je fasse celui qui est en jonction ici. Bref, ça va faire un pareil comme ça. Ah. Donc et le blanc que vous voyez sur les carreaux qui est autour du joint sera enlevé parce qu'après on va donner un bon coup de nettoyage et ça partira tout seul. On mettra un petit truc du genre White Spirit ou un truc là. Juste mouiller le chiffon, toc, passer un petit coup où c'est blanc et voilà, ça s'en ira tout seul. Et voilà, donc oui, j'ai fait ça. Donc là, c'est fixé. Et j'ai fait le bas aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais réduire la caméra pour que vous puissiez avoir le flash. Voilà. C'est mieux. Vous voyez ? Donc là, il me restera un jointé d'un bout à l'autre. Proprement et ensuite ça sera nickel tout autour. Un beau joint dans l'angle proprement et tous les carreaux sont bien en jonction comme ceci. D'un bout à l'autre. Donc là, bah, je n'ai pas enlevé parce que ça vient d'être mis. Je vais étaler ici et quand je vais étaler loin, ça viendra par-dessus celui-ci. Ça l'englobera et hop, juste en bas et tout autour. Bon, pour l'instant, j'attends que ça sèche, là. Après, je nettoie ça, mais ce sera une autre fois. Pour l'instant, je ramasse et je m'en vais. J'ai pas fait grand-chose, mais j'étais pas très motivé. Ah oui, ça c'est... Ok. Allez, go. Ouais. Il est 17h passé. Je devais y aller, puis du coup, je suis resté. Je suis comme ça. Donc, là, j'ai jointé. J'ai jointé. Hop, moi, c'est fait. Là où il n'y a pas d'épaisseur, là, je veux dire que les joints sont bons. Ça, là, là, là. En bref, je vais avoir lieu de repasser dessus. Donc j'attends que ça sèche. Et puis après, ben, je vais l'enlever. Oh.